matin, c'est la rentrée des classes, 22 000 élèves sur Montpellier. Nous sommes donc allés inaugurer ce matin une des 11 nouvelles écoles prévues par M. Philippe Sorel, maire de Montpellier. C'est l'école donc, sur le quartier Ovalie, qui s'appelle donc Germaine Richer, sculptrice montpelliéraine. C'est une école qui sera ouverte en deux fois, d'abord avec 250 élèves dans un premier temps, et puis à la rentrée prochaine 500, ce qui correspond à l'aménagement du quartier Ovalie qui n'est pas encore complètement construit. Elle sera bien sûr desservie par le tramway lorsque cette ligne d'ici 5-6 ans sera construite. C'est une réalisation qui est à énergie positive. C'est comme toutes les écoles que nous fabriquons, c'est-à-dire ce sont des écoles qui fabriquent plus d'énergie que celles dont elles ont besoin pour fonctionner au quotidien. Nous nous sommes ensuite rendus ici même, sur les écoles Bolivar, Ballard. Nous avons pu voir les dédoublements des classes de CP et CE1. On voit un petit peu comment travaillent ces groupes d'élèves, donc groupes d'élèves par 12, avec deux instituteurs, deux institutrices. Et puis en même temps, des équipements comme celui-ci, qui est un équipement mixte, qui s'adresse aux enfants des écoles, mais qui s'adresse aussi aux habitants du quartier Brosseau. L'éducation, donc premier budget de la ville, c'est une vraie priorité donc sur le mandat de Philippe Sorel. 93 millions d'euros, 11 nouvelles écoles et bien entendu des travaux donc à hauteur de 7,8 millions sur l'ensemble de nos écoles.